Ce swing, c'est véritablement une exception culturelle. Les musiciens de l'époque s'imprégneront du jazz qui arrive des États-Unis pour pouvoir amener de nouvelles harmonies et un sens de l'improvisation à la valse qu'ils maîtrisent déjà. Je m'appelle Erwan Melek et j'ai la chance de pratiquer un fabuleux métier qui me passionne énormément. Je suis accordéoniste. J'ai joué de nombreux styles musicaux, mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. C'est le jazz musette. Le jazz musette, c'est le musette des durs à cuire, celui qui teinte la valse d'une couleur bien particulière, celle du swing. C'est à mon sens certainement un des plus grands trésors du patrimoine culturel français. Bonjour, je m'appelle Thomas Lebrise. Je suis un guitariste spécialisé dans deux styles musicaux typiquement français, issus du même berceau musical, le jazz manouche et le jazz musette. Je suis un musicien autodidacte, j'ai appris à l'écoute de nombreux disques et en côtoyant différents musiciens de passage. Il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de me spécialiser dans le jazz musette en rencontrant Erwan, avec qui j'ai créé le groupe Swing of France. Nous perpétuons, avec tradition, le répertoire du jazz musette en y incluant nos influences actuelles. La boîte à frissons, le dépliant, le piano du pauvre, la boîte à punaise, autant de noms très imagés qui désignent un seul et même instrument, l'accordéon. L'histoire raconte qu'il est né aux alentours de 1829 et est signé par l'Autrichien Cyril Demian. C'est un instrument à hanche libre qui ne cessera d'évoluer à travers le temps. Et de par sa transportabilité, il trouvera sa place dans toutes les musiques populaires à travers le monde. En France, il sera l'icône de plusieurs générations,
L'instrument roi est clairement le symbole de la musique populaire. L'accordéon, c'est un véritable orchestre portatif. Avec brio, il peut chanter la joie et la peine. À lui tout seul, il définit l'esprit parisien. La guitare ici présente est un instrument exclusivement joué pour le swing français. Créé en 1932 par le luthier Mario Macchiaferri, puis distribué par la maison Selmer jusqu'en 1952. Elle reste la seule guitare française produite en relative quantité à avoir connu une renommée internationale. L'électrification des guitares étant apparue tardivement en France après la Seconde Guerre mondiale, Mario Macchiaferri a conçu une innovation technique permettant à cet instrument de rivaliser avec des forts volumes, tels l'accordéon, les cuivres ou le violon. La puissance, la justesse et le timbre furent immédiatement adoptés par les musiciens de l'époque. Mais cette guitare doit principalement son succès à une personne, le génial guitariste gitan Django Reinhardt. Il joua presque exclusivement de cet instrument en y incluant un micro magnétique tel celui-ci à la fin des années 50. Dans les années 1900, les Auvergnats, autrement appelés bougnats, ont la main mise sur les cafés parisiens où on joue alors une musique typiquement auvergnate. L'instrument principal y est un cousin de la cornemuse fabriqué en peau de chèvre que l'on appelle la cabrette et autrement appelée la musette. L'instrument est petit,
mais fonctionne lui aussi avec ce système de hanches libres qui lui confère une grande puissance sonore. L'instrument est très populaire, à tel point que les soirées où on se réunit pour danser prendront le nom de bal musette. L'ambiance y est très populaire et le public s'enivre sur des rythmes traditionnels. À la même époque, sur le sol parisien, arrivera de nombreux immigrés italiens avec un instrument sur le dos, l'accordéon. Les joueurs de cabrette et les accordéonistes vont devoir se partager la scène et deux camps vont alors se former. On recensera un nombre de cas insensés de bagarres allant quelquefois jusqu'au meurtre pour cette guerre de musique et de territoire. Qui deviendra alors le roi du bal musette ? C'est aux alentours des années 1910 qu'un accordéoniste d'origine italienne, Charles Peguri, épousera la fille d'un Auvergnat très influent sur la capitale, le père Buscatel. Se scellera alors ainsi symboliquement un pacte entre les Italiens et les Auvergnats et un vent de paix soufflera sous le ciel de Paris. L'accordéon et la cabrette pourront alors jouer à l'unisson sans risque que cela dégénère. On gardera le nom bal musette qui donnera clairement l'identité du style, mais l'accordéon deviendra bien le roi du bal. Le musette, style typiquement français, est un véritable métissage culturel. La Java, c'est une danse qui est apparue dans les années 20. On ne connaît pas exactement les origines. Alors, c'est inspiré de la mazurka, de la valse. Mais il y a un accordéoniste très célèbre en son temps qui s'appelait Louis Perguré qui a raconté une petite histoire, une anecdote. Alors, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est une légende. Mais alors, du coup, voilà, je vais essayer de vous la raconter. Ça se passe donc au bal du Ramor, un bal qui s'éternise, rue de Lappe. Et dans ce bal, il y a un danseur qui danse avec un petit pas un peu crapuleux et il met les mains sur les hanches ou les fesses de sa danseuse. Et alors le patron qui était un peu inquiet, qui était un Auvergnat, puisque ça se passait donc dans un bal populaire auvergnat parisien, il n'arrêtait pas de dire Chava, Chava, avec l'accent auvergnat bien sûr. Et voilà, il y a toujours Chava, Chava, parce que ça pouvait dégénérer à tout moment. Et voilà, et on ne sait comment, par quelle mystérieuse antenne, en fait, tout Paris apprend le lendemain qu'une nouvelle danse était née, une danse qui tenait donc de la valse et de la mazurka, mais avec un pas plus crapuleux, plus canaille. Et c'est ainsi donc que naquit d'une déformation du bal auvergnat, le fameux pas de Java. La danseuse arrive, et il va commencer à inviter la danseuse. Alors le petit pas de Java, je vous le montre, le danseur, c'est du 3 temps, il avance comme ça, sans trop tourner. Et 1, 2, 3, et 1, et puis progressivement, il va commencer à faire tourner la danseuse, pareil sur 3 temps. Puis à un moment donné, il va tordre le bras de la danseuse,
il va l'amener dans son dos comme ça, et puis le danseur, déjà il a réussi une première étape, main dans la poche, il continue à faire tourner la danseuse, et à un moment donné, donc il va tirer sur le bras de la danseuse pour la faire tourner complètement. La danseuse, elle est étourdie, elle ne sait plus où elle habite, elle met les mains autour du cou du danseur, et là c'est parti, 1, 2, 3, voilà. 1, 2, 3, et hop, voilà. Né en 1910, Django Reinhardt marquera pour toujours l'histoire du swing et du jazz français. Issu d'une famille de nomades, il passera sa jeunesse à voyager pour finalement s'installer à Paris. À l'âge de 10 ans, il se découvre une passion pour le banjo et commence son apprentissage avec de nombreux musiciens de passage. Il exercera sa passion dans des cafés, des bal-musettes et se fait alors une réputation d'incroyable instrumentiste. En pleine ascension, un terrible accident se produisit. Un incendie se déclara dans la roulotte de Django et il fut grièvement brûlé à la jambe et à la main. La rééducation dura plus de 18 mois et tout le monde pensa alors que le métier de musicien était terminé pour lui. Ne pouvant se lever, le banjo était devenu trop lourd. Son frère Joseph lui apporta alors un instrument plus léger qui allait lui permettre de révolutionner le swing français. La guitare. We'll be right back.
À la sortie de l'hôpital, il s'aperçoit que la guitare est un instrument très utilisé dans les orchestres de jazz. Une musique venue des États-Unis qu'il découvre à l'écoute d'un disque de Louis Armstrong. Il décide alors de se consacrer entièrement à cette nouvelle musique. Après avoir accompagné de nombreux chanteurs français, il rencontra le violoniste Stéphane Grappelli, avec qui il créa un nouveau quintet à cordes, le Hot Club de France. Compositeur de génie, instrumentiste virtuose, il connaîtra une reconnaissance mondiale bien avant sa mort en 1953 d'une hémorragie cérébrale. L'originalité de son style, appelé à présent le jazz manouche, continue d'influencer de nombreux musiciens. La valse swing, c'est véritablement une exception culturelle. Les musiciens de l'époque s'imprégneront du jazz qui arrive des États-Unis pour pouvoir amener de nouvelles harmonies et un sens de l'improvisation à la valse qu'ils maîtrisent déjà. Bien évidemment, nous pouvons citer de grands noms, Joe Privat, Gus Wieser, Tony Morena, Joseph Colombo, Louis Ferrari et bien d'autres encore. Chacun de ces grands musiciens a amené sa pierre à l'édifice que sera alors le jazz à la française. Le trois-temps prend une toute nouvelle forme. Une cascade de virtuosité, de swing et d'improvisation créeront alors un style tout nouveau. Thank you.
Au début du XXe siècle, la valse viennoise va être remise en cause par un mouvement social complexe qui va se manifester par l'émergence du jazz et du blues en Amérique du Nord, du tango en Amérique du Sud, et donc du musette en France et en Italie. Alors, la valse musette, ce n'est pas une invention, mais plutôt une redécouverte, une réappropriation, une intégration de différents éléments culturels qui vont donner à la valse une nouvelle dimension populaire. Alors, la valse musette, tout comme d'ailleurs le jazz, le blues et le tango, représente une culture alternative par rapport à la danse bourgeoise. Les danseurs et les musiciens étaient issus du milieu prolétaire parisien. De la valse en mode mineur s'impose à partir des années 20 et va culminer entre 1940 et 1955. Elle va fonder le style de la chanson parisienne. Alors certains artistes y ont contribué, je parle évidemment de Piaf, Montand, Mouloudji, Francis Lemarque, Fréhel bien sûr. Alors, on peut citer trois caractéristiques de la valse musette. Alors un instrument, c'est l'accordéon, un rythme dansé, le trois temps, et enfin un mode, le mode mineur. On peut regretter la marginalisation du musette en France. La valse musette a pourtant fait le tour du monde. Seuls les Français semblent ignorer qu'elle fait partie de leur patrimoine national. Thank you.
Erwan et moi-même avons créé le groupe Swing of France il y a une dizaine d'années. Notre but est de perpétuer, avec tradition et modernité, l'esprit des accordéons jazz band des années 40, avec une musique à écouter et à danser. Mettre au goût du jour un patrimoine musical qui a peu à peu sombré dans l'oubli, car l'âge d'or de l'accordéon swing s'est terminé à l'après-guerre, avec un public réclamant une musique plus légère et plus facile pour pallier les heures sombres. Nous espérons que cette petite histoire du jazz en France vous donnera l'envie de continuer à découvrir cet incroyable trésor nommé Jazz Musette, que nous avons la chance de jouer dans le monde entier.